Merde, putain, j'ai perdu le... Attends, le 16. On est le combien aujourd'hui? Le 13 décembre? Non, si, le ouais. Le 13. Oui. Ça, c'est le record de là, là. Ah, je sais plus. Mais... Ouais, c'est quoi, je ferai mes déroches après. Et la smoke, un mode PVP est prévu? De quoi? Entre quoi et quoi? Enfin, il y a 3 ans, ils avaient mis un mode PVP. Tout le monde s'est foutu de leur gueule en leur disant non, mais les gars, arrêtez avec votre mode PVP. Les gens, au final, ils se sont concentrés sur le fait de Ready or Not est devenu ce que SWAT aurait dû être, SWAT 5 au final, après SWAT 4. Quoi. Merci Cherokee pour les 5 mois, t'es un monstre. C'est pas mieux les lacrymos que les smokes. A plus tard Zenko, à demain matin. Niquez vos races, je serai pas là, j'en ai rien à foutre. Je mettrai un bot, je mettrai une IA qui montrera ses seins avec une voix de Jean-Luc Mélenchon, ça vous fera kiffer, vous serez là. Franchement, t'es trop fort. Elle nous montre un nichon. Et elle chante, c'est la lutte finale. C'est la lutte. Je vais mettre un truc comme ça, vous allez pas me faire chier. Du coup, pas du tout prévu. Franchement, Hooks, je sais pas. Je pense, à mon avis, qu'ils vont se concentrer sur le fait que ça viendra après, je pense, honnêtement. On est good, hein. Ok, c'est parti. Go. Au moins, on est good. Good pour tout le monde. Ah, en fait, si on fait pas Y, ça active pas le timer. Alright, everyone, need your attention. Operators just received a 911 call from an individual within an apartment complex in St. Muriel this morning. Detailing. Okay, let's go. Let's go, please, sérieux, parce que le truc, c'est que là, on va retomber dans une espèce de spirale de se dire merde, on a presque terminé, donc du coup, on va vouloir accélérer le truc, et au final, on va encore faire plus d'erreurs, d'accord? Donc là, on reprend le truc comme si c'était la première fois, d'accord? Il nous manque un Y. Après, faut être logique aussi, si ce bâton dure 10 jours, le mec va pas rester réveillé pendant 10 jours, MDR. Bah en gros tu vas dans la catégorie I'm only sleeping et tu dors en live. Mais attention, t'as pas le droit de partir la caméra de plus de 10 minutes, ok? Selon les conventions de Megève, hein, pas de Genève, de Megève, eh bien tu n'as pas le droit de partir plus de 10 minutes de l'écran. Autrement, du coup, tu t'exposes à la police du subaton, d'accord? Qui viendra te dire ça va pas à la tête, espèce de fils de pute. Ils sont assez virulents. Les gars, il y a quelqu'un qui oublie Y. Ah mais c'est ouf. Mais bon. Quelqu'un n'a pas fait le Y, qui est pas. Qui est pas là, les amis? C'est bon, tout le monde est là. Allez, let's go! Ok, et propre, d'accord? Propre, net, sans bavure, on connaît l'environnement, on sait où on va. Ok. Et on refait exactement la même chose que tout à l'heure. Yayou, à la limite, si à un moment t'as envie de sortir le shield pour essayer de faire quelque chose au niveau de l'arche, mais la partie la plus compliquée, c'est d'abord de segmenter tous les appartements et de wedger tous les appartements, d'accord? Une fois que les choses sont segmentées, alors on peut les travailler de façon segmentée et c'est beaucoup plus simple, d'accord? C'est maintenant le plus difficile. En avant. N'oubliez pas l'été. N'oubliez pas vos bodycam. Ok, Pax, passe déjà midi. Ok, très bien, on le joue direct. Armé ou pas? Passer de la gauche vers la droite, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai juste vu un pack se passer. Où ça? Au niveau de l'arche? Ouais, affirmatif, ouais. Midi, 5 mètres. Ok, vas-y, Corrumpy, main courante à droite. Vas-y, je tiens. Je tiens l'arche, avec le shield. Vas-y, mais fais gaffe à droite quand tu avances. Ouais, ouais. Je suis à la droite. Je suis prêt à piquer. 3, 2, 1, pique. Vas-y, avance, 3, 2, 1, go. Vas-y. Ouais, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça a changé. Stop. Négatif. Ah non, ok. Ça parle au-dessus, hein. Du coup, à droite. Ouais. Ok. Je suis prêt à sauter à gauche. Merci Elvocom de t'être abonné sur pour l'information Y, t'étais un monstre. Ouais, go. Je vois rien sur le balcon au-dessus de vous. Il y a porte ouverte sur moi. Porte ouverte, ok. Possible de... Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non, pas, ça tire, ça tire, c'est que ça va. Ok, mais donne-moi les infos, top. Ça tire, ça je sais, j'entends. Midi top. Ok, donc, midi au top, je peux rien faire, très bien. Il est reparti. La porte. Le pack c'est derrière moi, ce serait bien qu'il me suive. Je t'assure. Vas-y, go jumper. Si tu peux fermer la porte et on va la wedge. Il a la même. Nickel. Wedge. Go wedge. Oui. Merci Birdhead pour les 19 mois, t'es un monstre, mon poulet. Putain, c'est de la merde.
Ok Yai, de toute façon je te laisse ici tout seul, d'accord? D'accord. Ne sois pas crédule, d'accord? Ne sois pas naïf si ça te push. Ouais. Prends une information qui te permet de back et de gérer tout seul, merci. Yep, jumper du camp. J'ai entendu ça a gueulé là. J'arrive avec vous, j'ai écho son. Sur la droite. Ok, derrière toi Grumpy. Écho son sur la droite. Ok. Ok, tu me dis quand t'es bon le 3 et on avance. Je décale en 3. Je suis avec vous les amis. Ok. Je suis prêt. 2, 3, go. Go. Push clear. Ah mais c'est ouvert le machin. Porte balcon open. Balcon open. J'envoie en face Grumpy. Jumper, fais une rebond s'il te plaît. Ça tousse à gauche, une rebond. Et on va y aller Grumpy, prends l'info, regarde à gauche si ça tire et on adapte. Prends l'info. Ça touchait sur la smoke. Prends l'info. Grumpy, prends l'info, mets-toi au niveau de la porte. Tranquille, pas plus. Prends l'info, regarde à gauche. Je prends l'info en face midi maintenant. J'ai ton face midi, regarde à gauche. Ok Jumper, tu vas le suivre. 3, 2, 1, tu push, go. Ça tire d'ailleurs. Je sais pas où. Fais gaffe à gauche Jumper, voilà, prends les deux. J'ai la gauche. Ok, Jumper, ferme la Jumper, va fermer la porte derrière le mec. Prends la gauche Tisma. Toujours. Tu le gères, vas-y Jumper, gère-le. Barre-toi Grumpy, c'est bon, on a plus besoin de toi. Va prendre la porte. Avec toi Grumpy. C'est bon, c'est géré. Jumper, reprends le machin. Wedge la porte, comme d'hab. Wedge la porte. Ok. Est-ce que c'est RAS? La porte en face. Mets-toi au niveau de la porte directement, Grumpy. Bloque la porte. Tisma, check ce qui se passe sous la porte. Check ce qui se passe sous la porte. Faut que tu me bloques derrière toi, Grumpy. C'est le Roomba qui passe. Ouais. Faut que tu me bloques la vente si je veux aller checker la porte. Ok, d'accord. Jumper, viens avec nous. On a besoin de deux guns sur la porte pendant que Tisma prend l'info. Salle de bain clear. Mais pas trop de lumière quand on est derrière, les amis. Vous éblouissez le shield. C'est clear. C'est clear, bah tu peux rentrer alors si c'est forcément clair. Grumpy, avance un peu s'il te plaît. Ok, bien pris. Super. Impeccable. Let's go. On keep going. Du coup, il y avait un première évidence ici, deuxième évidence ici. Ok, c'est géré ici. Je vais prendre le suspect, je vais le déplacer. Bien pris. Mets-le effectivement dans la cuisine. Allez, nickel. Ok, bien pris, on continue, du coup ça a été wedgé en dessous, on continue, Grumpy tranquillement, wedgé. Tu peux... Jumper, mets-toi à droite de la porte, un wedge et on y va tranquille, ok? Pas naïf avec ce qui se passe derrière la porte néanmoins. Je veux pas me un wedge. Ok, je m'en occupe, c'est bon, je l'ai. Ça un wedge, 3, 2, 1, c'est un wedge. Je peux prendre l'information au miroir. Non, négatif, tu peux piquer pour Grumpy. Bien pris l'information miroir, Grumpy, mets-toi au niveau de la porte, Jumper. Ouais bah laisse tomber, on y va sec. Grumpy tu peux pusher. Attention Grumpy, attends, je regarde derrière la porte. Non je vois rien derrière la porte. Ok, Grumpy prends les infos, ça parle hein. Écho son. À mes midi, deux packs armés. Mais quelle de la distance mon poulet. 5 mètres, ok d'accord. Jumper, smoke rebond please. Deux packs armés. Smoke rebond. Jumper, smoke rebond. Hein? Négatif, je balance la mienne du coup. Faut vraiment lancer un peu. Ok, elle va partir. 3, 2, 1, ça va taper maintenant. Toujours pas, ok. Grumpy, décale-toi un peu à gauche. Si tu peux, je vais le flasher lui. Là, je le vois pas, fils de pute. Laisse tomber, Grumpy. Reviens. Fais gaffe, il va peut-être pusher là. Quand tu te fais tirer dessus. C'est bon Grumpy, prends la place Grumpy, prends la place. Ouais. Et je balance une smoke dessus. Il est toujours face avance un peu, doucement. Ok, c'est bon, il va être géré dans 3 secondes lui. Il passe à 3 heures. Je vois rien du coup. Ok, il y a quelqu'un qui va pouvoir me remplacer, d'accord. Je vais passer derrière la porte. Jumper, tu prends ma place.
Go. Top. Derrière la porte, clear. Il y en a un qui est passé à 3 heures. On garde la ligne, on garde la ligne, on garde la ligne, on est derrière toi. J'ai la spirale en face moi, à 11h. L'esca spirale. Moi aussi. Va falloir balancer de la smoke ou des trucs, jumper, quand tu vas commencer à voir que ça bouge, ainsi ça tire, t'adaptes. Que j'envoie la smoke au fond. Bah là pour le moment je sais pas si ça tire. Non. Ah, ok. Dans ce sens là. Je sais pas, ok, Grumpy, tu vois quoi, mon poulet? Ça tire. 3 heures dans les escaliers, à environ 10 mètres. Sur mes 3 heures. Deuxième escalier. 2 heures, du coup, tout au fond, dans la spirale de droite, non? Affi. Ok, d'accord, vas-y, Jumper, essaye de le balancer, spirale de droite, au fond, à 2 heures. Ça envoyé. Ok, je vais balancer dans la spirale de gauche. Et Grumpy, tu vas faire main courante à droite et tu vas pousser avec Jumper. Tire pas. Ah, les gars, vous touchez à rien là. Où est-ce que ça nous tire là? Toujours le mec à 3h. Vas-y, go go go, push. Viens, Tisma. Il est sur moi, contact à moi. J'ai toi, Six. Spirale. Y'a un mec là, y'a un mec là, garde-le en joue. Occupe-toi du mec. GG. Je m'occupe. Je sais pas où ça tire là, c'est en dessous, c'est en dessous. Non, ça tire sur moi, poulet. Six, garde-le en joue. Tu le gardes en joue. Ok, bien pris. Attention, dans la spirale, j'ai rien. Je wesh derrière moi, la porte. C'est Witcher. Genre, tu vas jouer. À 3h. Tu peux y aller, Six. Ok, il se rend. Il se rend ou pas? Oui, il se rend. Affirmatif. Tisma, tu vas pouvoir le gérer lui, mais fais gaffe du balcon, ok? Ouais, tout à fait. En dessous. Je gère. Au rez-de-chaussée, j'ai deux gars. Ouais, d'accord. En dessous. J'ai pas vu. Désolé, j'ai pas du tout vu. J'aurais pas dû dire de le machiner. C'est pas grave. On aurait dû le garder en joue. Mais en vrai, bon, c'est toujours le même problème dans le jeu. C'est qu'au final, tu te retrouves dans des situations où tu dois gérer à 4 ou 5. Là, la même chose se passe. En France, aux États-Unis. La même chose. C'est au moins 100 personnes qui sont envoyées. Au moins 100 personnes. Pas 4, pas 5, pas 10, 100. Là, c'est... Tu montes dans les étages, il y a déjà deux colonnes de 10, machin. Ça se déverse dans tous les trucs. C'est un liquide, le truc. D'accord? C'est un liquide. Là, tu peux pas remplir une casserole. Ici, les appartements, les trucs, tu peux pas les remplir avec 2 centilitres d'eau, quoi. Et porte ouverte à droite. Ok, allez. Okay. On refait la même. N'oubliez pas votre thé. Vas-y Yayo, tu peux avancer, tu vois bien qu'ils ont avancé. Le problème c'est vrai. Allez-y hein, les gars, vous attendez quoi hein? Ouais, let's go, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Go hein. Go. Pas simple. Yo Apollo, comment ça va les poulets? Bien ou quoi? Ok. Je suis en 2. Allez, elle est bonne celle-là, on y va. Je suis en 3. Que tu me dis quand t'es bon? En position. Ok. Ok, alors, Yayo, je te laisse tout seul, mon poulet. Vas-y. Allez, let's go. On se concentre, okay, on la fait belle, celle-là. Ok, bien. Porte fermée. Go wedge, si jumper. Let's go, wedge, du coup. Allez, Tisma, tu peux aller décroiser, vas-y. Tu peux commencer à monter. Grumpy, pareil, je suis avec Jumper. C'est wedge. Ok, let's go. Vas-y, on passe avant. On est derrière. Attention, les lumières, pas dans le bouclier, les amis. Porte close. Et ouais, porte fermée. Tu me dis quand t'es bon. La porte est fermée à droite ou quoi? Affi. Ok, très bien. Bah, du coup, je garde la porte. Je garde la porte, vous pouvez partir tous les deux à gauche. Ok. Go Jumper, ça peut pas être. Si c'est tous les deux, ça peut pas être toi en shield. Le balcon est ouvert en face, hein. Ouais, Affi. Ok, gauche clear, ça on le tape direct, hein. On va pas se faire chier. Tisma, Grumpy, approche-toi de la porte. Tisma, tu checks ce qu'il y a en dessous. Jumper, tu regardes le balcon, s'il te plaît, toujours en face. Garde-moi le balcon. Prends l'info. Midi clear.
la pièce sur le côté droit clear. Un dans le gauche de la pièce, il est dans les 11h. Ok, et dans le renfoncement derrière une... Il s'approche lentement de la porte. Là, il est à midi devant la porte. Ok, mais pas à dans midi, le riche du bélier. Toujours midi. Midi, pas dans le riche du bélier. Il se décale sur la droite. Il est sur la droite de la pièce. Il revient midi. Il se déplace sur la gauche. Faut aller le taper. Bah... Je peux te pique ? Laisse-moi... Non, négatif. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, à chaque fois, il y a des mecs qui prennent des balles à chaque fois qui servent à rien. Et il repart au niveau de la porte qui donne sur la cour intérieure. Il est dans ce sas. Attention, toujours au... Jumper, tu me fais peur. Ouvre plus ton angle que la possibilité que la personne puisse décaler et nous tuer tous, tu vois. Voilà, si tu peux ouvrir ton angle, là, c'est pas possible qu'on meure, nous. Du coup... Il est à gauche de la porte ou quoi? La porte, il est à 10h. Juste devant le sas. Ok. Il revient. Je sais que si tu te mets la gauche là, en fait, limite, et que t'envoies une flash ou une smoke. Si midi sur la porte. Faut que je l'envoie longue la smoke, parce qu'elle faut qu'elle tape couloir pour aller au niveau de la chambre, autrement c'est la merde quoi. Ok. Il est midi sur la porte. Après, au pire, tu envoies... Attends, midi sur la porte, à combien de mètres? Midi. 3 mètres. Ok, Tisma, ouvre. Ah, attends, tranquille. Tu tapes direct quand il est midi de la porte. Jumper, mets-toi à gauche de la porte. On le tase, lui. D'accord, mais préparez-vous, ça va faire bouger les mecs à l'intérieur, d'accord? Je peux me mettre à gauche. Mets-toi à gauche de la porte. J'ai plus de visu sur le... Tranquille. Bélier, Jumper, si je te demande de gauche de la porte. Non, tranquille, je le fais pas maintenant. Hein. Ouais. Ok. Il est sa porte. De l'autre côté de la pièce, au niveau des 11h. Il a l'air en stand-by. Il est où? Sa porte qui donne sur la cour intérieure. Ok, très bien. Grumpy, recule. Mets-toi au niveau de la porte, légèrement à droite. Tisma, enlève ton truc directement. Jumper, il tu vas taper. Il revient sur la porte. Sur la porte, il ouvre la porte. Oh, attends, mais ça, c'est pas une info. Il revient sur la porte et il ouvre la porte, quoi, mais les gars. J'ai lâché. Merci, Grumpy. D'avoir bloqué la porte, t'es un monstre, mon poulet. Ok, Jumper, t'es prêt, je vais faire une smoke rebond. Ouais. Mais faut que tu te décales derrière Grumpy parce qu'il va être derrière toi, ok? Dans 3, 2, 1, top! Smoke rebond, parti, c'est bon. Mets une smoke profonde, Tisma, profonde gauche. Il est sur la gauche, ouais, toujours. Profonde gauche? Non, je pense pas, je pense qu'elle est complètement ratée ta smoke. Je pense aussi. Ouais, elle est rebondée. Ouais, bah alors dis-le nous, en fait. Elle est encore ratée. Ok, Jumper. Profonde gauche, c'est fini. Grumpy, part à gauche directement. Bah, prends l'info au niveau de la porte là. Si tu te fais tirer dessus, qu'on adapte. Ok, t'es prêt, Tisma? Tu suis Grumpy. Go à gauche. Je vais tout droit. Jumper, go, suis. Fais gaffe dans le creux. Droite, clear. Midi, clear. Dans le creux, j'ai pas. Ok, il contact gauche de la porte. Contact gauche de la porte. Il se rend. Jumper, tiens la porte, nice. Parle-nous, Jumper, s'il te plaît. J'ai le bonhomme. Vous allez pouvoir continuer tous les deux. Grumpy, Tisma, go. 3, 2, 1, top. Go. On s'arrête pas. Go. J'ai le bonhomme. Il faut la veine derrière toi. Salle de bain. Ok. T'as wedgé, Jumper, si tu tiens une porte et que tu la wedges pas. Voilà, t'es un monstre. Bah, tu peux revenir dans ce cas-là. Je m'occupe. Si t'as wedgé après. Ok, c'est bon, tu peux le gérer quand tu veux, les gars. Je récupère la civile. La civile? Ah oui, ok. Pourquoi il nous fait le clébard? Qu'est-ce qui a fait ça là? C'est le mec. Vas-y, je t'en prie. Il nous a aboyé dessus. Ouais, il nous a aboyé dessus, fils de pute, pour qu'il se prend là. Bon les gars, je suis désolé mais bon on m'aboie pas dessus, ok? Personne ne va voir ce qui va se passer, ok? Voilà. Désolé. Hein. Ce serait t'as essayé de me désolé. Au balcon. Et là tu nous aboies dessus, fils de pute ou quoi? Là t'as envie de faire waf 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 ou quoi? Ok? La prochaine fois mon gars tu vas faire du base jumping, y aura du saut à l'élastique sans élastique, ok? Fils de pute, tiens. Au coin. Y'a les Hendek.
Allez, en avant, du coup. Là, c'est un peu la merde, parce que c'est toujours la problématique. On est dans un environnement qui est ouvert, d'accord? Et le problème de l'environnement ouvert, bah, vous le comprenez, c'est que les smokes, c'est difficile de taper. Yayo, t'es où au niveau de l'arche? Tu peux avancer ou pas un peu? Non, négatif, y'a un mec top. Bah les couilles, hey, on avance là, on oublie l'arche là, d'accord, en bas. Et on a besoin de deux shields à mon avis, quoi. D'accord, donc tu montes, mon poulet. Le truc c'est que si moi je monte et que vous tirez, ils viennent automatiquement par le bac. Ok, bon bah alors... C'est pour avoir un pack qui tient les 6. Hein. Bon bah laisse tomber alors dans ce cas là. Ok, très bien. Jump, tu peux unwedge si tu veux. Spy ou pas, spy ou pas? Guys. Bah, je pense pas. Dis-lui à ce chien. Non, mais attends, il se prend pour un clébard. On va lui donner le traitement, tu vois ce que je veux dire. Ok, jump, vas-y, pique poulet. On l'a fait dry, les gars, à sec. Ça veut pas pique. Ok, tranquille. Elle est bloquée, c'est pour ça. J'ai de quoi ouvrir rapidement le lockpick. Non, on s'en fout, ça. Piqué. Okay. Ok, Grum, tu peux prendre l'info. Et tu nous donnes. S'il te plaît, les distances, fais pas ton yayo là. En face de moi, ça veut rien dire. S'il est à 5 mètres, 3 mètres ou 12 mètres, c'est pas pareil. Hein. Ok. En face de moi, l'arche à 10 mètres RAS pour l'instant. Ok. Je repique sur la droite. Je vais mettre derrière, T'es prêt, Jumper? Ouais. Ok. Ah mais non, non, touchez pas la porte, Ok. Tranquille, Grumpy. Ah mais 3 heures. Ok. À peut-être 5 mètres. Là, je prends là, Jumper, je prends là. Ça, je m'en occupe, mon poulet, ok? Ça te permet d'ouvrir un petit peu au niveau des 2 heures. Ok, je lui balance une smoke à lui, elle part. La smoke est partie. Ok, Grumpy, tu vas pouvoir avancer, go. Midi? Ouais, je sais, ouais. J'ai un otage sur la 3h, 5 mètres. Il s'est pas rendu, hein. Il s'est rendu. Ok, tu peux le coiffer, coiffe-le, Jumper. Fais main courante à droite, mais fais gaffe en dessous, s'il te plaît. Sur ma gauche. Faut wedger ici. Keep your hands together. Let's go Tisma, j'ai besoin de toi ici. Ma courante à gauche. Ma courante à gauche, une porte à wedger, please, celle avec le cialume devant. Avec. Ok Grumpy, continue. C'est wedge. Parce que c'est là que tu peux couper la possibilité que... Jumper, t'es où? Parle-nous. Ça tire. J'ai du pack, soit 5 mètres devant moi. À mes midi quand on descend de l'arche. Ok, j'ai balancé une smoke contact au cas où il push. Je suis avec toi, je suis derrière toi, 2 mètres derrière. J'ai reçu. J'ai la cover. Il est exactement à nos 11. Ça tire, je vois rien. Faites gaffe les gars, ça tire en dessous. Je vois de l'autre côté de l'escalier. Je vais essayer de prendre une info avec le... La lacrymo l'a pas touché du coup. Putain, je vois rien avec ton shield. Essaye de prendre une info que je vois pas, il est où? Allô. Là, à peu près sur le reload. Ah putain, je le loupe. Ok, je le vois. Tisma, à 11h, oui. Essaye de faire tomber une smoke qui va en dessous, s'il te plaît. À 11h, pile en dessous, d'accord? Il sera à tes... Dès qu'il reload, je le smoke. Grumpy, faut que tu dégages, s'il te plaît. Avance plus, Ta smoke à la faille, elle est en bas. Oui, j'attends qu'il recharge. Elle est bonne, ma smoke, je pense. Si, il touche. Elle est au pied. Elle est à nos pieds. Doucement. Il est dans le gaz ou quoi? Aucune info. Grumpy, essaie d'avancer dans le gaz. Essaie d'avancer s'il tire pas. C'est bon, j'ai la ligne au moins là. Je peux le flasher. Sa gueule à gauche. Doucement, Grumpy. Jumper, avance en croisé, ma poule. Il est face à... En croisé. À mes 9h, à 5 mètres. Ok, il a un contact à gauche. 9h, effectivement, à 5 mètres. 4 mètres à ta gauche, Jumper. Ok. Ok, vas-y, décroise avec Grumpy. Grumpy, je te suis à droite. 3, 2, 1, top. Je par dessus. Putain, je vois plus rien par contre. Yayo, faut que t'avances en bas. Ouais, c'est ce que je fais. Je vois pratiquement rien. Ok, y'a rien pour moi dans le colis. Camlight.
plus rien. Je redescends avec Grumpy, vous. Grumpy, vas-y. Grumpy, à 9h à gauche. Va te mettre en face de la porte, s'il te plaît. 9h. Vas-y, ma courante à droite, tu vas tomber sur une porte. Voilà, nickel. Ici, c'est fermé. On peut me la wedger, celle-là, s'il vous plaît. Afi, je m'en occupe. Je monte double escalier en bas. Ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. C'est bon, c'est clear. L'atrium est clear. Là, j'ai le. Ouais, merci Tisma. Wedge-moi ça. Les autres portes normalement. Je prends. Ok, c'est bon, nickel. Putain, j'avoue, ta vitre s'est fait défoncer en même temps. Grumpy, quand ça tire, t'es pas obligé de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de reculer, me prendre des balles. Tu vois, je préfère rester statique, au moins il me touche pas. Ah ouais, mais bon, c'est pas un shield. C'est pas le shield de la BRI, mec. C'est un petit shield, hein. C'est pas le sarcophage sur roulette. Voilà quoi. Ouais, il a cru c'était montagne. Ouais. C'est clair. Ok, bon, on est bon. Du coup, derrière, on retape les appartements au troisième étage. Et on y va. Profitez-en pour vous assurer qu'on est. Enfin, check un statut sur les amos, s'il vous plaît. Le pas, espace pour aller plus vite. Je vais récupérer le mec qui a arrêté en plein milieu. Y a une arme juste à mes pieds. Juste ok, là. Ouais, vas-y. Allez, décale les bonhommes là, effectivement. Du coup, on est où là? Il y a une ouverture juste là. Ouais, on tape. C'est quoi? C'est l'appartement 14, effectivement. C'est ça. Ouais. Ok, Tisma, tu vas venir checker ce qu'il y a en dessous pour nous dire ce qu'il y a, du coup. Jumper, tu peux déjà te mettre à gauche de la porte. Ouais. À midi, pièce de droite, 2. Un qui fait rotation entre pièce de droite et toilette. Un autre à midi. Prends les infos, prends le temps, nous donne même pas les infos à la limite. Et derrière, tu les indiques sur la map, on checkera tous, d'accord? Essaye d'être. Tout à l'heure, c'était propre ce que t'as fait. Donc, même chose. On veut les infos directement sur la carte, comme ça on pourra discuter. On est au deuxième étage, je vous rappelle, appartement 14. Étage. Qui doit être dans la. Oh. Comment tu peux le voir celui-là? Il est passé. Ok, d'accord. Ça, c'est des arches ouvertes, je vous rappelle, les amis. Hein. D'accord. Là, il y a une connexion entre les deux pièces. Les deux pièces sont ouvertes. Hein. D'accord, bien pris. Donc, est-ce que tu vois quelque chose? Les toilettes à gauche sont ouvertes ou pas? Les toilettes à gauche sont ouvertes, mais la porte est mal orientée. Ok. Le but du jeu, du coup, dans le premier temps, ça va être de prendre. Ça va pas être de faire la même erreur que j'ai faite tout à l'heure, d'accord? Ça va être de prendre la croix sur l'élément 1 là, et après, très vite, du coup, d'avoir un shield du coup qui va se mettre. Attends, bouge pas. Laisse-moi parler, mon poulet. Je te donne après. Et après, d'avoir un shield au final qui va venir se mettre là, quoi. Attends, mais c'est vraiment de la merde leur truc. Mais vous avez compris le bise. D'accord, l'idée c'est ça, ouais. D'accord. Vous l'avez aussi les éléments que je vous indique ou pas? Ouais, oui. Merde, pourquoi? Ouais, ok. Ça, le premier élément du coup, le premier élément c'est les toilettes qui sont relativement faciles à prendre, mais après il y a forcément cette ligne qui est un peu pourrie sur le côté là. Hein. D'accord, ça peut passer au fond puisque c'est une arche qui est ouverte. N'oubliez pas, tout au fond à droite là, exactement ici du coup, c'est une arche. Hein. Donc ça peut passer ici, au niveau du T. Mm-hmm. Ouverture des toilettes qui n'est pas favorable pour nous. La porte nous bloque direct. Elle n'est pas dans le sens de du truc? Non, elle n'est pas à l'intérieur de la pièce, elle est à l'extérieur de la pièce. Ok. Bon, c'est pas possible, ça pourrait leur apprendre, les amis. Du coup, si l'architecte a décidé que la porte s'ouvrait comme ça, le gond peut pas aller dans l'autre sens. Ah bon, bah, surtout qu'en plus, là, il est vraiment complètement à l'opposé. À moins qu'ils l'aient pété. En revanche, c'est vrai que s'ils ont pété la porte, mais bon. Non, mais là, même s'ils l'ont pété, c'est pas possible. Ok, donc du coup, elle nous protège la porte. Nous protège. Oui, d'accord, bon, c'est parfait. Donc du coup, au final, elle est parfaite. What? Ah. Quoi? Yo, what? Connexion tout le has been what? Mais t'es en alt tab, mec? Mais grave pas, je suis dans le jeu, bah non. Non, mais il a perdu la connexion. Juste perdu la co. Grumpy? Oh la vache, mais ça c'est parce que Skyros t'aille tout. C'est pas grave. Mais on peut pas continuer là. Ça nous a enlevé le S, je pense. Hein.
Normalement non, c'est pas... Ouais, mais moi j'ai pas envie de continuer et d'aller voir ce qui se passe après si on n'est pas tous là, quoi. C'est vrai. Merci Drekan, t'as un monstre. Est-ce que ça nous compte comme officier d'armes? Bah il est mort, hein, c'est tout. Merci Solu. Le patch a l'air énorme. Alors, t'as fait comme s'il était mort là-haut, hein. Ouais, je me dis non, que... après il est jaune. What? Il est jaune. Pour l'exclamation, c'est sur Mac ou les amis. De mettre la pour flotte, le citer en cours. Mais... Vu que là, de toute façon. Oh purée. Ouais, t'as raison. Vous êtes vraiment nuls sur vos lancers de grenades. Regarde, regarde. T'as vu ça un peu? Magnifique, merde, nique ta race. Ouais, d'accord. Ça passe pas en fait. Si, si, ça passe. Ah bon? C'est sûr, ça passe. Mais je pense qu'il faut. Non, non, vraiment, 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 poulet. Hein. Je tape dedans et tout. Les câbles sont beaucoup plus solides que ce qu'on ne pense. Merde. Ah, vraiment. Après, y'a peut-être une possibilité, mais c'est pas si simple. T'as pas un truc tu sais, dans les paramètres. En revanche, j'ai l'impression qu'il crie, il gueule à l'intérieur, hein. Ouais, 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 ouais. Du coup, les smokes sont quand même plus. Y a pas de logique d'appartement, j'ai l'impression quand même. Enfin, y a pas de logique de. De room, ouais. Avant, c'était un peu ça marchait par room, quoi. Ah, je crois que je l'ai envoyé dedans. Ah, ouais. Ouais, je suis un monstre. En fait, c'était facile, vous êtes des merdes. Bah, c'est bien pas grave parce que la peau elle est bonne, mais je pense que. Est-ce que t'as pas une limite de ping, tu sais, quand t'as créé le serveur enfin, ah le... non, mais non, je crée. Y a rien, y a pas de. Y a pas d'option, poulet. Hein. Quoi, tu peux pas rejoindre là? Bah, non. Tu peux pas rejoindre une partie en cours, hein, je pense pas. Hein. Non, je veux pas. Bon, faut qu'on aille au headquarter. Allez tout au bout et vous verrez le score, non? Ouah, c'est chiant, franchement, ça pète le truc, quoi. Déjà que c'est un jeu solo. Franchement, c'est le genre de jeu, je le savoure, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu relou, là, le truc, j'ai pas compris. Tu vois ce genre de truc? Ouais, c'est... Je mange du foie gras une fois par an, donc je peux te dire que même les petits bouts de poivre sur le côté, là... Putain, je les goûte, quoi. Du poivre de compote. De compote. Normalement, c'est pas compté comme Officer Down. Ah ouais? En même temps, là, il était bien down. Non, on l'a bien entendu, bien down quand même. De ouf. Ce serait débile que... C'est quoi, je suis mort de votre côté? Ah ouais, on t'a entendu. Il y avait la tache de sang. Ah ouais, grave, t'as explosé. Il y avait des bouts de morceaux partout. Attendez, je crois que je vais craquer sur le jeu. Mais comment ne pas craquer sur le jeu, les gars? C'est... Voilà, quoi. Exceptionnel, ce jeu. Exceptionnel. Franchement, et encore, on a fait que deux missions, quoi. Bon après je les connais bien mais... Enfin celle-là je la connais pas du tout hein, franchement cette map est incroyable. Elle est vraiment nouvelle. Bien. Ah bah désolé les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Et là tu peux rejoindre ou pas? Bah là je relance le jeu, j'ai relancé le jeu. D'accord. Bah profitons-en à la limite pendant qu'il est pas là pour faire Alt F4. On sait jamais, il peut y avoir des mises à jour quand les... Tu sais le jeu vient de se lancer quoi. Genre ils peuvent mettre des hotfix, des trucs comme ça. C'est pas... Bon là en l'occurrence ça a pas vraiment l'air d'être le cas. Mais ça s'est déjà vu pour le coup. Des mecs qui te mettent des hotfix ou des hot patch tout de suite parce qu'il y avait un truc un peu... Pas joué depuis 6 mois, on va profiter de la 1.0 pour y retourner. J'ai déjà craqué mais je suis tout seul. Point d'exclamation Discord les amis, jouez pas à ce jeu tout seul. Alors l'IA est incroyable maintenant. Enfin ils ont fait en sorte que l'IA soit incroyable, ok? Ils ont travaillé énormément sur l'IA et tout machin. Maintenant l'IA elle évite les cadavres, elle fait attention, elle se place bien, etc. Mais là, l'intensité du jeu, c'est justement... Bah, moi, je trouve... En équipe, voilà, un peu RP, un peu en équipe et tout. C'est là que c'est cool, ça gueule et tout. Et franchement, après... Bon, chacun son style, hein. Bon, après, parce que moi, j'aime bien le tryhard. LOL. Mais autrement, bon, si vous voulez pas vous faire chier, tu prends des M4, machin. T'essaies juste de respecter, à la limite, le côté... Bon, tu tiens un mec en joue, s'il prend une arme ou s'il prend un truc, etc. Bam, bam, tu le défonces, quoi. Mais parfois ils peuvent ressortir un téléphone portable et tu te dis merde. Combien de maps? Je sais pas les amis. Mais c'est beaucoup. Le genre de... Je veux pas en entendre parler en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas beaucoup de jeux auxquels je joue. D'accord? Je peux pas me permettre de jouer à beaucoup de jeux en plus dans mon stream. Ok?
Ça fait 8 ans que je suis quasiment... que je fais 98% de Rainbow Six. D'accord. Je fais pas de Call of Duty. Je fais pas de Warzone. J'ai pas fait PUBG. J'ai pas fait Baldur's Gate. Je fais pas des Zelda. Je fais aucun jeu, etc. Donc quand il y a un jeu qui sort et avec des nouveautés, je le savoure. Donc je veux même pas entendre parler des problèmes du jeu. Je veux pas entendre parler des considérations de... il y a combien de maps. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle est facile? Je veux garder une espèce de dame d'enfant, en fait. Je veux garder ce côté un peu... je savoure le truc, quoi. J'ai pas envie d'être dans une logique de jeu vidéo. J'ai envie de savourer le truc... voilà, quoi. De ils ont même truc. Refait la section mode. Après, même sans aller dans l'aspect... tu sais, sans parler vraiment des bugs, mais c'est un jeu, là, regarde, il est sorti, il est vraiment abouti. On n'a pas de soucis à particulier dessus, quoi. C'est vrai. Tout à fait. L'écran est stylé. Ouais, mais tout est stylé sur ce jeu, franchement. Tout est stylé. Et une partie réservée. C'est parti, autant pour moi. Il nous faut la même chose, mais avec le GIGN. Un jeu comme ça, mais GIGN. Bah, les premiers, ouais, j'avoue. Mais bon, enfin bon, ça changerait pas grand-chose. Je me rappelle le vieux jeu de l'époque, là, un vieux jeu où c'était un jeu sur la Légion étrangère. Je sais plus comment ça s'appelait. Soldier of Fortune ? Ouais, je crois bien. Et c'était que la Légion. C'était la Légion, Soldier of Fortune ? Ouais, il me semble, ouais. Il y avait... enfin, je sais plus, mais c'est hyper vieux. Il y a même une jaquette où c'est un mec avec le béret vert, justement, de la Légion, et il y a la Tour Eiffel derrière, mais je sais plus... C'est pas Commando ? Non, le commando était cool. Ah, mais ce jeu il est génial, franchement. Enfin, et moi, ouais, comme je disais, je joue pas à beaucoup de jeux, donc je veux pas trop qu'on me prenne la tête sur les trois pauvres jeux auxquels je joue par an, quoi. Merci Apollo pour les 5 mois, t'es un vrai monstre poulet. Apollo-Bazouane passe droit au campus. Il faut que je répare ma main fracturée. Ah bah, ça fait. Mais faites point d'exclamation Discord, vous pouvez trouver des gens, quoi. Il y a un forum entraide maintenant, on l'a changé le Discord il y a 3 jours là. Vous pouvez aller sur le forum entraide et à la limite vous laisser un truc en disant les gars, Ready or Not, j'ai pas envie d'y jouer solo, let's go quoi. Ou au pire, honnêtement, parce que je fais forcément la pub de mon Discord, mais je suis sûr et certain qu'il doit y avoir le Discord de Ready or Not, s'ils sont pas trop cons, ils ont dû mettre un channel français et puis là tu te fais des potes quoi. Mais n'y jouez pas solo. Il y a un Ready or Not France. Il y a toujours un truc France de toute façon. N'oubliez pas de repasser par l'armurerie parce que des fois votre stuff il se remet pas. Ah bon ? Quand on a le Tefiat. Ouais. Souvent ça reprend le stuff du lead squad. Ouais mais ok. Mais moi j'ai sauvegardé mon truc hein. Vous avez fait sauvegarder le truc ? Ouais. Après, ouais mais faut... En fait faut juste repasser parce que... Rejoint par Steam. Ouais c'est ce que j'allais faire. Genre si tu vas dans ton lead... Moi je vois Yayo, Jumper et Tisma. Merci Basic pour les 35 mois, j'arrive les amis. Il y en a un qui veut changer avec le bouclier avec moi. Vas-y, passez droit au campus. En vrai, le Tisma, tu peux enlever le lockpick là, le pistolet. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, genre. T'as pris des munes quand même dans le pistolet au cas où ou pas ? Non, zéro mune. T'as pas besoin de tirer avec le pistolet. Moi j'ai jamais tiré. Mais c'est normal, c'est vrai qu'il pour le coup il te laisse pas au moins un chargeur sur l'arme, pas sur le gilet quoi. Ouais. Ouais j'avoue que c'est un peu con, mais bon. J'ai 8 smokes, ça devrait aller. 8 smokes, 4 wedge. Et vous êtes mis en full ? Ah on est hyper mort je crois, non ? Ouais mets-toi en full, ouais ça sera mieux. J'ai plus le taser. Ils ont rajouté pas mal d'armes aussi. Hein. J'ai vu petite MCX. Oh, t'as MCX, Yayo. Ah, t'as vu bah, c'est le premier truc que j'ai équipé. Ça me fait chier avec ça. J'en ai pas là. Oui, il y a MCX. Ah, le relou. J'ai 4 wedge, 6 smoke, 2 taser. I'm back.
Mais je te vois pas moi dans le game. Ils sont... Yayo, Jumper, Tisma, je vois pas Grumpy. Non, je suis avec vous. On est que 4? Non, on est 5. Non, je suis avec vous. Attends. Peut-être qu'il faut que je fasse tab. Ah oui, non, faut que tu retournes dans le... Oui, c'est vrai. Que je fasse ça. Non, ça. Et que je fasse ça. Et ça. Et ça va le mettre à jour. Ok, bien vu. Donc ça donne quoi le VKS versus TPL? C'est la même, juste la capacité de chargeur. Ok, et donc du coup, pour toi, ça tire les mêmes choses. Et c'est quoi la... Donc il y en a un, il y a un reload rapide et l'autre, il y a un reload long, quoi. Ouais, mais en termes de combien de mun par truc? C'est 12 et 25. 12 pour le PL et 25 pour le... Oui, mais est-ce que tu emportes du coup l'autre 12 et 12, 24 plus une chambrée ou et l'autre... C'est 12-12 en comptant la chambrée. Et... Mais attends, mais c'est 12-12 d'un côté et 25 de l'autre ou 12-12 d'un côté et 25-25 de l'autre? Est-ce que t'as deux chargeurs avec la VKS? Ah non. Enfin, t'as les chargeurs que tu te finis quoi, les seuls deux chargeurs que tu te finis. Avec la VKS, on n'a pas deux pour compenser. Attends, ok. Attends. Ok. Attendez, faut qu'on voit un truc là. Que je comprends pas. Parce que moi, j'ai dû équiper zéro chargeur. J'ai dû en équiper 0. Donc du coup, j'en ai combien? J'en ai 2. En équipant 0 chargeur de TPL. Ah non, biopoivre, j'en ai 2 en fait. Donc quel est l'intérêt d'avoir le TPL? Chargement rapide, elle est juste plus courte, donc pour les passements de porte, etc. Oh, les passages de porte. Oh, bien vu, putain. Mais en vrai, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Non. Je multiplie ma capacité d'emport par 2, en fait. Enfin, j'ai deux fois plus de mun, quoi. Ouais. Mais passages de porte, ouais, ok. Ok, mais bon, on s'en fout. Ok, du coup, en avant. Pour la même chose. Alors, reduce, increase accuracy, increase ADS speed. Ouais, bon, ils ont pris les trucs habituels, quoi. Vertical recoil. Donc on est d'accord que toutes les VKS, vous l'avez mis avec poignée inclinée, j'espère. Il n'y a aucun intérêt à mettre autre chose que la poignée inclinée. Ah ouais. J'ai vu quelqu'un avec une poignée de combat tout à l'heure. Parce que la poignée de combat vous permet de réduire le recoil et d'augmenter la précision. Ouais, mais qu'est-ce que c'est la précision? Ah ouais, si quand même. En sortie de canon. Ouais, franchement... Je pense que le mieux, honnêtement, vu comment on le joue et tout, c'est plutôt d'avoir une vitesse, un ADS speed ouais. Et qui est augmenté, moi, pour moi, perso. Je trouve qu'il y a zéro recul, quoi. Bah, il n'y a pas de recul. Donc déjà, toutes les considérations de recul, faut pas en parler. À la limite, l'accuracy, pourquoi pas? Accuracy d'un côté versus ADS speed de l'autre, bon, ça se joue, tu vois. Mais bon. Ça, pareil, le silencieux, il me sert à rien. Mais en vrai, de toute façon, l'arme de poing, bon, elle sert à rien, quoi. Elle est là parce qu'elle est là. Ok. Bon, allez, let's go. Faut la finir, Grumpy, celle-là, putain, on va pas y arriver. Ouais, t'as bien pris le meilleur frag, nickel. A plus tard, Apollo, bisous, poulet. Et Grumpy, lâche peut-être tes flashs, toi, du coup. Je fais un live de 24h, bah, je fais un live de ce bâton. Non, t'as pas de flash. Je sais pas, écoute, peut-être qu'à un moment j'en aurais marre. Parce que c'est toujours pareil. Les personnes qui payent pour le sub-bâton, c'est pas ceux qui vont rester jusque toute la nuit, tu sais.
Hein, les nanos et tout là. Un nano. Lui il est en mode allez bah je donne 300 balles pour bien te niquer ta santé fils de pute et moi je vais me coucher, salut. Voilà comment c'est, ouais c'est ça. Est-ce qu'il y aura du R6 dans le sabaton? Bon oui je pense, ouais Frestagada c'est possible. Après j'ai commencé avec du R6 tout à l'heure, on allait tester de nouveaux modes. Ok, en avant, j'arrive. Merde, c'est où déjà? Non. Non, il est comme ça, il est. Allez, comme ça tu vas bien dormir ce soir. Moi je fais bien penser à toi. Exactement. Je crois que ça bip là-bas derrière monsieur. Qu'est-ce qu'a balancé une smoke là? Comment t'as réussi à balancer une smoke ici? Il l'a découpé. Mais quel sac à merde, sérieux! Mais quelle grosse merde! Ok. Du coup. Je réfléchis. Tisma, Grumpy, on a switch. Ouais, c'est bon, d'accord. Bah. Oui, bah ça change pas grand chose. Ok. What? Quoi, 0-3 ready? Quoi? Ah non, c'est bon, 1 sur 5. Non, c'est bon. Ouais, il y a des petits problèmes de synchro en fait sur certains trucs. Voilà. Ouais. Comme la tablette est haute, mais en vrai, ça va. Il y a du tir incliné. Ouais, t'as incliné gauche, incliné droite, et tu peux même surincliner avec le alt. Là, je sais pas si on voit bien, mais. Tu peux aussi viser sur le côté avec ton arme en appuyant sur, la... T ou O, je crois. Tu peux te mettre sur la pointe des pieds aussi. Donc c'est un peu Tarkov, mais plus simple quand même. En termes de mouvement, il n'y a pas le côté tu vas scroller avec ta molette pour te mettre à une distance que tu veux. Là. Voilà. Allez, en avant les amis. Talk to high ground. Entry team. Status of the active shooter threat is currently unknown. Move in and secure the area quickly. Jumper. Ouais. Ok, Yayo du coup a switché Tisma, d'accord, ok ça marche. Let's go hein, moi je reste avec Yayo hein, vas-y Grumpy hein. Tu suis ton... Vous avez switché Tisma et toi. Porte open à droite. Porte open à droite. N'oubliez pas votre cam. Check. Yayo tu peux avancer, vas-y je prends les étages. Tisma. Sur le balcon, premier étage, je vois strictement rien les amis. J'attends à droite. À gauche, pardon. Balcon, premier étage, je vois strictement rien. 3, 2, 1, go. Porte close. KRS à gauche. J'attends quelqu'un pour le wedge. Go wedge. Bah, on wedge pas celle du haut, on garde la wedge. Hein. Économie de wedge. Tout à fait. C'est wedge. J'arrive. Je suis là. Je suis derrière. Porte close. Ok, vas-y, j'arrive, Yayo, comme d'habitude. Tout à l'heure, c'était propre, hein, t'as compris ce qu'on faisait. Il y a un moment où, en fait, on a besoin de toi pour prendre en sandwich. Quand on progresse au troisième étage à l'atrium, le fait que tu tapes par le rez-de-chaussée, parfois, tu peux voir des mecs qu'on voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Bah j'en ai eu deux comme ça, je crois. Ah bah c'est parfait. Parfois, on te les pousse vers toi, en plus. On a une balcon, moi, parce qu'elle est ouverte. Okay. Ça ouvre. Ok, tranquille, vas-y, smoke à l'intérieur, jumper. Tisma, avance un peu. Il a abandonné. Elle est partie où t'as smoke, jumper. Doucement. Ok, prends une longue. Et on va pusher, jumper, tu suis Tisma, tu pars à gauche. Je pars tout droit. Gauche, go, top. C'est pas grave, Tisma, passe devant, essaye, jumper. Passe devant, coiffe l'objectif. C'est bon, je peux. J'y suis. Je garde les deux face midi, passe devant moi Grumpy. Passe mon poulet. Porte fermée. Ok, j'arrive. Je vois. Prends son bel. Devant moi. Ok. Ça drop. Quelqu'un en joue? Ouais, je l'ai. Ok. Quelqu'un avec moi? Bah vas-y, Jumper va venir avec vous, vous inquiétez pas. Je suis là. Jumper, prêt? Ouais. 3, 2, 1. Je force devant open. Je suis avec toi, chaque toi. Ok, j'attends. Salle de bain claire. Attention au trou par les pieds. Ok, bien joué. Trailer's incoming.
On a récupéré un Uzi. Checkez vos chargeurs. Prenez les bonhommes, balancez-les derrière. D'accord, si on a... Il était armé le deuxième là ? Afi, il avait un couteau et une arme. On a récupéré. Bah parfait, nickel ça. Ça fait deux paquets traités. Ce sera ça de moins à traiter dans le... à l'extérieur, d'accord ? Ok, Tisma, ici en face de moi. Avec. Et tout de suite les gars, juste un truc, qu'on se mette d'accord, ok, juste un truc, regardez. Regardez-moi, regardez la porte, ça sert à rien de regarder derrière, d'accord. Il va se passer quoi là? Là, la Grumpy, regarde-moi, ok. Qu'est-ce qui se passe? On est ici, d'accord. Tisma se met au niveau de la porte, il peut rien faire avec son shield, d'accord. Worst case scénario, j'enlève ce putain de wedge, qu'est-ce qui se passe? Un fils de pute qui pousse la porte. Déjà, ça met hors d'état de nuire Tisma qui peut strictement rien faire. En règle générale, ça veut dire quoi? D'accord, ça veut dire toujours la même personne, parce que ça veut dire toujours la même chose. À chaque fois, on est en train de se... on se prend la tête. La deuxième personne, elle empêche la possibilité que le mec vienne nous jouer au couteau ou sorte. Donc, c'est pas à la deuxième personne de faire autre chose que tenir la ligne avec son arme principale, d'accord. C'est à la troisième personne de balancer des grenades par-dessus, ok. C'est le même principe que l'infanterie et l'artillerie, d'accord. On va pas attaquer première ligne avec l'artillerie, d'accord. On travaille par-dessus les lignes ennemies au final, d'accord. Donc Tisma est en première ligne, il y a la deuxième ligne, c'est son arme principale, et troisième, donc c'était à moi du coup de balancer la smoke par-dessus toi au final, Jumper, d'accord. Et toi tu gardais la ligne, tu vois ce que je veux dire, sur l'ouverture d'une porte de tout à l'heure. Et bah là c'est la même, ok. 3-2-1, je unwedge, c'est parti, c'est unwedge, je pique pour toi. Pas de piège. Pas de piège, vas-y, tu peux pusher. Non, pas de piège. Et tu nous donnes bien les calls. Qui, quoi, où? Midi clear, escalier clear. Tranquille. Je vais passer derrière la porte, Jumper. Tu vas te mettre derrière Tisma. Top. Go. Ok, je suis derrière la porte. Du coup, je prends face midi au niveau du... là. Ok. Prends midi Tisma. Je progresse. Ok, une personne, un pack qui arrive, il va être maintenant escalier droite. Escalier droite, colis de droite, ok. Ouais, colis droite. On va essayer de le smoker lui. Il est fini. On s'en bat les couilles, faut le smoker avant d'y aller, il va reprendre des trucs. Je smoke. Putain, y'a pas vraiment la place, mais vas-y, c'est à toi de jump, si tu peux. Ouais, je vais. Bon, vas-y, fais-le. C'est smoké. Allez, du coup, Tisma, tu vas passer. Main courante à droite, Jumper, tu vas le suivre. Grumpy, main courante gauche, let's go. Attention en dessous! Main courante droite, ça veut dire main courante droite, les amis. Vas-y, go, je... Prends face midi, je prends en dessous, prends face midi. Et couvre à gauche là, Zig, sur nous. Ok, bien pris, tu peux wedger ou pas? Fermé. Ouais, je wedge. Ok, d'accord, je passe devant toi. Je descends dans l'escalier. Je descends dans l'escalier aussi, je suis dans le collimation gauche, clear. C'est wedge. Collimation droite, clear. Ok, Tisma, prends l'info. C'est traité, Yayo, on est au premier étage. Ouais, je vois. Yayo, tu peux commencer. Tisma, tu peux commencer à prendre des informations. Jumper, tu fais main courante à gauche pendant que t'es en train de descendre dans le colimaçon. Tu vas rencontrer Tisma. Tu prends les infos en croisé avec moi, s'il te plaît. Y'a un mec qui arrive sur vous, faites gaffe. Où ça? Ça veut sur rien votre dire gauche, Sur votre gauche. Ok. Ok. Au bout du bouclier, sur ta gauche. 1h, 2h clear, midi clear. Ok. Il est reparti, je crois. Fais gaffe, il est sur ta gauche. Ça, t'as pas de reflet. Good jumper. Je suis avec toi. Ouais, il est derrière toi. Okay. Mets-toi sur le T, hein. Ok, oui, contact à gauche, je le vois, contact à gauche, je vais le smoker. Ça m'a tiré, j'ai pris une balle. Je smoke. Elle est pas mal, je pense. Il abandonne. Il est touché. Yayo, tu vas pousser avec nous. Vas-y, j'y vais. Ok, on y va les amis. Je décroise. Fais une main courante gauche. Vas-y, pars à gauche, Jumper, je pars à droite. Je suis okay, à droite. Je le vois, je le tiens en joue, le gars qui... C'est toi, c'est que je suis sur ton épaule. Ok. Let's go, prends au fond, colimaçon, rien. Je suis au fond. Jusqu'en bas, je suis en face de toi. Je suis contact, j'arrête juste un gars là. Vas-y, parfait. Okay. Grumpy, avance, tu peux avancer, main courante droite. Vas-y, go, continue. Il y a toujours une personne qui tienne en joue. Full main courante à droite, c'est une porte fermée ça, Grumpy. Hormis Jumper. Ok, je smoke à l'intérieur de la porte. Nickel. Et tu peux la. Jumper, tu décales, Tisma, tu fermes. Tisma, tu décales, Jumper, tu fermes la porte s'il te plaît, tu la wedge. Vas-y, go. Y'a un bac qui vient de passer de la gauche vers la droite. Ferme la porte, wedge porte. Bien joué. Je prends en joue le gars Grumpy. Tu peux aller checker ta droite. Quel mec? Ah, ok, bien pris, je l'avais pas vu. Let's go, il avait une arme, c'est bon, c'est géré. Je l'ai. Ah, ok, deux armes. Oh les gars, on a pris moins 50. Quoi? On a pris moins 50.
Comment on a pu prendre main ça? Je sais pas. Une Rise Force. Je pense peut-être que vous lui avez tiré dessus quand il s'est accroupi. Toi, comment est-ce qu'il s'est mis lui là? Bah en fait moi j'ai décalé en bas, il était déjà accroupi. Mais je crois que c'est. T'as là, géré un mec en bas ou pas toi? Ah oui, moi j'ai géré en bas. C'est pas celui-là, c'est celui qui venait d'arrêter là. Ah celui-là. Bah moi je lui ai pas tiré dessus et je lui ai juste balancé une smoke. Donc bon. Faut pas lui tirer dessus s'il est dans la smoke. Hein. Les gars, c'est simple. Hein. Si ça tire pas, de toute façon, vu comment c'est des maniaques, ok, si ça tire pas, ça veut dire qu'ils sont traités la plupart du temps. Hein. De toute façon, jusqu'à ce qu'on s'approche d'eux. Porte ouverte à droite. Porte ouverte à droite. Ok, let's go, continue. N'oubliez pas le T. Tente le S, toujours. Y'a que le S. Ça existe pas les autres lettres. Vous êtes ouf ou quoi? Allez, je monte. Je suis avec toi, je suis derrière. Allez, là au balcon, vous avez rien, les amis. J'attends le troisième. Je suis en place. 3, 2, 1. La porte du balcon, troisième étage, est ouverte. Porte close. Ok, j'ai wedge. Ok. Jumpy, garde cover. C'est ce que je fais. Je monte déjà. C'est wedge. Je monte déjà aussi. Nickel, top. Porte close. Ouais, porte close. Balcon ouvert. Pourquoi smoke une pièce pour le traiter? Parce que c'est une lacrymo et au final, porte du coup, ouverte. On utilise. Porte ouverte. Laquelle? Je monte. Premier étage? Troisième. Deuxième. Top, ok, très bien. J'arrive avec vous du coup. Bouge plus, Tisma. Je suis derrière toi, ne bouge pas d'un poil. C'est la porte du fond. Ça gueule. Balancez de la smoke à l'intérieur, le troisième tout de suite. Vous allez pas regarder une porte pendant 2 heures, les mecs, hein. C'est toujours pareil. La porte du fond qui est le balcon qui est ouverte. J'envoie au fond et j'envoie en contact. Non, le balcon, on s'en bat les couilles, hein. Ouais, au fond. Ça va passer contact. Bon, ça tire sur moi, y'a un mec qui va arriver sur moi en bas. Ah, c'est une smoke rebond que t'as faite là? Oui, une fond et une rebond. Ok, bah let's go alors du coup. Tisma à gauche direct, Grumpy à gauche avec lui, Jumper en face, go. Ça se clear. Close. Kitchen clear. Vas-y, Tisma, attends. En face. Excuse-moi. Ça tire sur quoi là? Civil. Moi, c'est moi en bas, ça me tire dessus. Ok, te fais pas avoir, please. Ouais. Toilette et salle de bain clear avec moi. Nickel. Ça va, Yayo ou pas? Ouais, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, il est parti sur vous. Normalement, il va arriver sur vous là. Ok, bon, de manière, c'est wedgé, ils peuvent rien faire ici. Ok, nickel. La même chose. Je sais pas. Non, il n'y avait pas d'arme, c'était une civile. Non, il y avait un Pax qui a ouvert la porte, qui était avec un pull blanc. Bah et écoute, de toute façon, j'ai checké la kitchen, c'est clear, etc. Il est reparti par la porte, il a refermé derrière lui. Check Tisma en dessous. Ça tire sur moi, les gars. Ouais, d'accord, ok. C'est bon pour moi. Please, ne prends pas de balles. Ouais. Check en dessous, Tisma. T'as quoi? Qui est-ce qui a le spy cam? Personne? Grumpy. Ok, excuse-moi. Les lumières vertes servent à quoi? Ça non? Ok. Ça une fois que tu ouvres la porte, c'est face à midi, il n'y a rien éclairer. Et j'ai pas de visuel. À gauche, c'est RAS. C'est du cialume, c'est les mêmes trucs que tu utilises en boîte de nuit là. J'ai en plus. Okay. Je te déwinch la porte. Ah non, elle est dans ma veste. Tu craques et ça fait de la lumière quoi. Après, c'est juste pour éclairer. Je quitte la porte. Ok, je suis au-dessus de toi, Tisma, vas-y. Ah, faut que je unlock la porte. Yayo, tu peux faire en sorte qu'il arrête de s'exciter, Jean-Maurice, là? Bah, le truc, c'est qu'il tire à travers, en fait, le mur. Non, il doit te voir, arrête. Je suis derrière le mur, tout à l'heure, en fait. Ça veut pas unlock la porte? Ok. Door unlocked. Bah ouais, mais ouvre-toi, enfoiré. Ok, il est peut-être juste derrière, non? T'as regardé? Non. Ouais, non, y'a personne. Ok, je m'en occupe, Grumpy. Jumper, bélier. Non, négatif. Non. Peut-être que la porte est pétée. Genre, je pique la porte, ok. Nickel. Bon, y a toujours le même truc, hein, c'est host versus client, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ok. Ah, vas-y, Tisma, tu peux commencer, prends des infos, donne-nous des infos claires, s'il te plaît. Distance, qui ouvre. Escalier clear. Okay. Tu te fais tirer dessus. Midi à 10 mètres. Ok. Escalier montant. Vas-y. Chargeur, escalier montant. Il va falloir que tu la fasses. À midi. Elle est pas assez. Escalier montant. Ok, attends, j'attends. Dès qu'il a arrêté, dès qu'il reload, je balance. Chargeur. Elle part. Je pense qu'il est touché. Il est pas touché. Si, tais-toi. Tu l'entends tirer là? Bon bah il est touché alors, let's go. Continue à droite, main courante à droite, go. Contact droite.
En dessous, en dessous, en dessous. Les deux se sont rendus. C'est bon, c'est envoyé. Toujours moins courant à droite. C'est en dessous que ça me tire dessus. En dessous. Ok, je crois que j'ai arrêté le gars qui t'a tiré dessus là. Vas-y, je viens de faire dessus moi. On avance. Je gère le mec de droite instantanément. Je me fais tirer dessus, je sais pas d'où. Non, c'est chiant. Info. Jumper. Il est mort, il est mort. Bah, hey, mec, faut que tu parles hein. Mais je l'ai dit. Non, hé, les gars, please, quelqu'un peut lui dire ou pas? Mais. Y'a dire et y'a se faire entendre. Attends, je vais augmenter le son. Ça tire de partout et tout, poulet. Mince, pas. Ça peut pas, Jumper, ça peut pas juste être en mode en dessous, en dessous. Je suis mort. Ça peut pas être ça. Non, enfin si, enfin je sais pas, dites-moi, réagis. Non, 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 oui, non. Dis-moi d'aller me faire enculer, hein. Non, 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 non. Ok, non, mais tu peux me le dire, donne-moi les infos, tu sais, comme à Outer Game. Oui, mais c'est vrai que vous étiez pas là si vous avez regardé la vidéo de. D'Airsoft. C'était monsieur. C'est ce qu'il a fait trop stressé, ça doit être stressant de jouer avec lui. Mais non, mais ils me connaissent bien. Si ça c'est stressant, bah purée. Les gars, je m'adapte au fait que ça gueule et que ça tape de partout. Pardon, le plus, pardon, franchement, pardon. Moi je suis encore beaucoup plus stressé. Attends, par des gens qui me disent bah rien. Et à un moment, du coup, il faut que j'aille chercher, faut que t'ailles à la pêche aux informations. Ah, il est mort. Ah, d'accord. Porte droite fermée. 3, tu vas open. Crumpy. Attends, on va jamais y arriver, on est bloqué à la deuxième fucking mission, les gars. Le pire c'est que si tu veux pas inverser, tu vas avec eux et moi je reste avec Yayo. Mais personne ne reste avec Yayo, frérot. Pas avec moi, moi je suis bien tout seul. Yayo il est tout seul, il garde le fait que ça nous backstab. Allez, let's go. Merci. Ok, je pique. Je veux pas inverser, y'a pas besoin d'inverser hein. Bon, je peux pas pique. Ok, j'ouvre. Ok, j'y vais. Droit clear. Je suis avec toi. Gauche clear. Yeah. Je monte. Je rentre. Let's go, bon, allez, on tape ensemble. Troisième. Je suis prêt, en place. En place. 3, 2, 1, top. Porte droite fermée. Ok, je watch. Okay, je suis derrière toi, continue Grim. Continue Grim. Cover, on remonte. Okay. Je cover Jumper. Ok, porte fermée. Stop Grim, bah, reste à gauche. Reste à gauche. J'arrive. Ouais. Vas-y Tisma, passe devant. Avec vous. Je suis derrière Tisma. Bien. Les gars, je suis bodyblock. Ah, c'est bon. Good. Prêt. Vas-y. Ça ouvre, 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 ça ouvre. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Smoke tout de suite là, un rebond. Allez. J'envoie. Elle est propre, mon poulet. Tu peux en mettre une plus loin maintenant. Tu d'ouvres et tu m'en fais une longue. Il sort. Tranquille. Bah ouais, mais c'est bien géré donc il n'y a pas besoin de. Fais-moi une loin, s'il te plaît, mon Grumpy. Elle est rebond, non? Ah merde. J'envoie, j'ai découpé. Ok, loin s'il te plaît, prends le temps. Profond. Ok, ça va partir. Tisma plus Grumpy, vous y allez. 3, 2, 1, top. Jumper, garde l'enjou s'il te plaît, lui. C'est derrière, vous inquiétez pas. À gauche. Vous êtes que tous les deux dans le bâtiment, les amis. J'ai la porte. Vous êtes que deux, vous êtes que deux. Reçu. On attend qu'il finisse de s'occuper du PAX. La porte est ouverte ici. On est bon, je prie l'ambi. Ok, c'est bon, porte fermée, wedge pas, on la wedge pas. T'es prêt Tisma, mets-toi face à la porte. Ouais, face. Je t'ouvre la porte, parce que je peux tranquille, pas... Tranquille, 3, 2, 1, go. Ok, porte de salle de bain ouverte. Je touche salle de bain. Je suis avec toi, je suis derrière toi. Je suis derrière vous. Salle de bain claire. Ici sur moi. J'arrive. Non mais... J'ai pas voulu l'arrêter. Faut le changer s'il vous plaît. Quoi? Faut le bouger. Ok, bien pris. Bah faut le... Essayez-moi. Prenez le temps tranquillement les gars. De donner les bons calls. Ok, je regarde en dessous. Allez, c'est bon, il est traité. Il est machiné. Okay, checkez vos mines. Midi à 5 mètres, RAS. Escalier, je vois rien, RAS pour l'instant.
En revanche, il y a encore des trucs où les mecs font un peu des animations un peu chelou quand même. Je crois que j'ai pris une balle pour rien là, tu vois, ça me vénère. Kisma, je vais t'ouvrir la porte. Ok. Tu me dis quand t'es prêt pour. Jump, tu peux aller te mettre à droite s'il te plaît. Ouais. Ouais, merci. Ok, je t'ouvre la porte. Ok. Là, est-ce qu'il est clear? Vas-y, Crumpy, vas-y. J'enroule sur toi. Vas-y. Attention aux étages en dessous. Je me mets à la porte derrière. Par sécurité, je vais. Grumpy. Mets-toi à la porte derrière, s'il te plaît. Voilà, fais-le de là-bas. Merci. Devant. Pour couvrir quand même notre avancée. Ok, bien pris. Et après, on part main courante à droite, mais c'est compliqué. Tisma, mets-toi au coin, tranquillement. Voilà. L'arche en dessous, hein, parce que du coup, ça sert à rien à droite. Ça va être en dessous du coup là. Grumpy, tu suis Tisma? Au-dessus. Okay. Jumper, main courante gauche. Main courante 3, 2, 1, go. Main courante gauche. Attention en dessous, please. Attention en dessous, please. J'ai un mec en dessous. Contact en dessous. Tisma, prends midi s'il te plaît. J'ai en dessous. Ok. Que j'ai en haut, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, ouais. Tu le gardes lui? Non, le colimaçon. Je le garde en joue. Ok. Attends, je stand by colimaçon. Ouais, je stand by colimaçon. Bah, ils ont quand même. Ils réagissent bien. Hein, ils se. Wedge votre porte, les gars. Ok, vas-y, wedge la porte. Main courante à droite, jumper. Fais gaffe en dessous. Vas-y, ah ouais. Commence à descendre, Tisma, please. Ouais. Je descends. Contact à gauche, il se relève. On n'a pas la faute, Yayou, hein. Celui que tu regardais, non? À 1h. Je vois des mains levées à 1h. Oui, non, mais à 9h, t'en as. Le mec en bleu là. Là, je suis avec la lumière. Tu me vois ma lumière? Non, je vois pas. Au premier étage. Ouais, au bout. Ok, là, il y a un mec là. En bleu, okay. Je vais le smoker lui, vas-y, laisse tomber. Grumpy, tu vois à 1h? Les mains? Ils sont où? Je suis pas. Grumpy est pas derrière toi. Grumpy, t'es où? Grumpy est dans le colimaçon. Il est derrière moi. Il bouge lui, il est en face. C'est smoké, c'est pas grave, vas-y passe devant Grumpy, pars à gauche Grumpy, je pars à droite, go. Est-ce que j'ai fait Je te suis. J'ai un pack sur moi. J'ai un pack aussi au fond, civil je pense. Tiens, la porte est ouverte, à gauche, attention, porte ouverte, jumper. J'ai la porte. J'ai la porte. Il s'est relevé. Ok. Je m'occupe du pack. Entry team, top. The building good to go. Talk to entry team. Copy entry team. Kira, toi, il va se mettre dans l'axe, lui. Yayo, t'as avancé? Bah ouais, j'arrive, je suis en train de monter. J'ai arrêté un gars là. Je suis en train de monter là. Je suis sur la porte. Eh, on se fait pas chier cette porte là, on va la taper direct. On va la taper direct. Vas-y, Tisma, mets-toi au niveau. Smoke à l'intérieur, jumper, s'il te plaît. Ok. Je suis derrière toi, Tisma, je suis vraiment. Je suis derrière toi, Grumpy. Tu es sur ton épaule droite. Je passe à l'arme du coup. Ok, j'avance, je suis main courante à droite, Tisma. Je suis sur ton épaule droite, Tisma. Ok. Moi je push à contact gauche. Contact à gauche, y'a rien, doucement. Doucement, t'as pas de. Je suis sur ton épaule droite et moi je push à gauche, c'est toi qui as pris l'initiative, je t'ai pas demandé là. Excuse-moi. Ok, j'ai besoin d'une. Balance une smoke en croisée, s'il te plaît, Grumpy à droite, s'il te plaît. Je balance une smoke à gauche, il me faut une smoke. Y'a une ouverture à 11h à gauche, ça part dedans. Je peux le faire, attends, je le fais. J'envoie la smoke. Ok. Sur la droite. Vas-y, y'en a un qui sort à gauche. Tisma, tu fais main courante à gauche. Yayo, tu fais main courante à gauche derrière Tisma. Go. Main courante à gauche, go. Il me bloque, Grumpy. Gauche. Grumpy, il bloque, je peux pas avancer. Vas-y. Avance, Grumpy, avance. Ok, c'est bon. Je suis avec toi. Ok, y'en a un. Quel pièce qu'il y a? Passe à gauche, ouverte, passe à gauche, ouverte. Ok, j'ai. Attends, ça l'arrête. Ici, c'est clear. Balancez du salume là où c'est clear, please. I'll get it, helmet. Talk reporting. Copy. Move on. Sur moi. Ok, j'arrête. C'est bon, ça a été géré là? Ok. Ouais. Parfait ça. Ok, ici aussi. Okay. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est pas dur les gars. Hein. Il y a des pièces, une smoke dans chaque pièce et on y va. Putain la vache, la ferme de. Ouais. La ferme à Bitcoin quoi. Pas besoin d'utiliser du well. Bah fond non, mais on peut. Si vous trouvez l'enceinte, vous pouvez désactiver la musique normalement. Ouais c'est tout. Je sais pas si elle y est, mais dans la chambre par exemple. Même le piano là, ah c'est horrible. Bah moi musique je l'ai un peu mis pas au maximum. Ouais je l'ai baissé sur le piano de mon côté.
Ok, on en profite sur l'appartement, please, pour checker les indices. Enfin, pour checker les evidence. Et profitez-en à chaque fois, hein. Quand c'est clear, balancez du cialume comme le petit pousset, d'accord? Quand vous êtes en train de pousser un endroit et que c'est clear, clear, clear. Surtout quand c'est smoké de partout et personne n'y voit rien, quoi. Ok? Ok. Ok, ok, c'est bon ici. Et j'ai signalé le truc là des beacons. Ok. Ah, il y a une farm à bitcoin à déclarer? Ok. Ouais. Ok. Ah ouais, ils ont lâché 3 armes. Ouais, c'est propre, c'est propre. Ok, allez, let's go. Appartement 14 du coup. Dernier appart normalement. Mais pas le plus simple. D'accord? Allez, on se retrouve en haut. On prend directement, on prend l'information en dessous. Checkez tous vos chargeurs de toutes vos armes, les gars. J'ai encore de la smoke, j'en ai encore 8 du coup là. Et toi, Grumpy, 6 smoke. Ouais, pour moi. J'ai beaucoup de tasers et tout. Donc voilà, on a encore. Prendre notre temps. On a encore assez pour prendre notre temps. Comment est-ce qu'on prend notre temps? C'est simple, de toute façon, on va rester pendant quasiment 20 minutes à cette putain de porte, d'accord? Personne n'avancera, ok? On discute. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on les amène tous en face de la porte, d'accord? Le maximum. Par rapport à ça, tout à l'heure, on a fait ça et ils ont commencé à tirer sur leurs potes. On a eu un mort tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok, mais on s'en bat les couilles de ça. On peut pas faire autrement. On reste en face de la porte et en avant, mais j'ai compris. Je vois ce que tu veux dire. Attends de check la porte. Du coup, check en dessous la porte, s'il te plaît, Grump. Ok, du coup, porte des toilettes, qui est une porte tirante vers nous. Donc on est protégé. Ensuite, face midi, j'ai attends deux secondes, visuel. Prends le temps, je t'écoute poulet et en même temps je fais directement les trucs. Du coup c'est une porte tirante vers nous. Ok, attends je peux pas la faire tourner elle. Mais, bouge pas. Ok, donc porte tirante vers nous, oui. Ensuite, on a à 5 mètres face midi, on a une porte qui donne sur la sorte d'appartement sur la droite, enfin pièce sur la droite, qui est ouverte aussi, qui nous protège face midi. Là, j'ai un Pax qui se déplace de la gauche vers la droite face à nous à peu près 5 mètres. Et sinon après j'ai pas d'autres informations. À peu près à 5 mètres en face, après ou avant la deuxième porte? En gros il est à peu près à l'angle entre les chiottes et le milieu en fait. Il est vraiment dans le coin des chiottes. À 5 mètres. Ok, regarde la carte, dis-moi si ça correspond à peu près à ce que tu me dis, à ce que t'as vu. Affirmatif. Là il vient de partir sur la gauche maintenant, j'ai plus visuel dessus. Mais il est à peu près ici, ouais. Il était à peu près ici, ouais. Ok, très bien, ça marche. Bon, du coup, on ouvre, et étant donné qu'on a les portes pour nous, du coup, comme d'hab, tranquillement, d'accord? On ira taper le but du jeu, on l'a dit déjà tout à l'heure, pas la peine de répéter. Le but du jeu, ce sera d'assez rapidement taper la pièce contact à gauche, et après on discute, ok? Il va y avoir forcément un moment où on va s'exposer au moment où on va passer au niveau de cette énorme ligne là. Merde, attends pour face moi. Face midi, Pax. Ok, face très bien. Midi, qui est derrière la deuxième porte qui est ouverte. Il est vraiment. En fait, quand on va ouvrir la porte, face midi à nous, on va avoir deux portes ouvertes. Derrière la deuxième porte, il y a un mec qui est caché derrière. Derrière la deuxième porte, il y a un mec qui est caché derrière. C'est ça. Qui donne en fait le point 1 derrière la porte. Je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. C'est juste que leur truc est mal fait. C'est ce que t'es. Là, exactement ça, d'accord? C'est ça. D'accord, bon. Du coup, le but du jeu, gérer la porte qui va être à gauche de toute façon et d'essayer de faire en sorte de. On n'a pas. Ouais, y a pas grand chose qu'on puisse faire de toute façon. Y a pas grand chose qu'on puisse faire puisque de toute façon, au moment où on va s'exposer. Il va y avoir un moment où vous allez vous retrouver. Il va y avoir un moment où on va se retrouver avec un shield qui va être à peu près à l'endroit du T là. D'accord? Ok, qui va être en train qui va être au niveau du coin là. Enfin, je vais pas y arriver avec cette merde là. Franchement, c'est trop relou ça. Vous avez compris. Le shield va être là.
D'accord. Donc c'est ça qu'on veut, et ça va nous permettre, pendant qu'on va avoir un shield là, on va pouvoir du coup gérer la partie qui est à droite. La deuxième partie qui nous intéresse, ça va être celle-là. Ok, celle qui est en jaune. Petit point jaune, d'accord. Et il va y avoir quand même des personnes qui passent en face, d'accord, en face de nous, au niveau de, au niveau des, ouais, de toute façon, ouais, au niveau de l'arche, exactement, au niveau de l'arche, d'accord. L'arche, c'est là, c'est l'endroit où j'ai fait le 1, d'accord. Ah. Je sais pas si vous l'avez, mais il va y avoir des personnes qui vont faire ces mouvements-là. Donc on essaie de gérer ces mecs-là. Le but du jeu, ça va être de gérer d'abord les personnes qui vont être en face de nous, de garder bien les éléments qui se passent en face de nous. Et après, on essaie de taper la porte de gauche. On essaie de s'avancer jusqu'au coin du mur, main courante à gauche. Et là, on va commencer à discuter. Il y aura un moment où, au final, les mecs qui vont être main courante à gauche, au niveau du T, vont couler jusqu'à la salle principale. Et pendant ce temps-là, la deuxième équipe, du coup, interviendra directement sur la pièce de droite, là. Ok ? La pièce main courante à droite, vous avez compris ou pas ? Ouais. C'est pas très clair. Mais c'est Il n'y a pas de piège non plus sur la porte, au cas où. Je sais pas si on peut faire des 1 et des 2, c'est marrant, mais... Une dernière fois, au cas où, pour voir si ça bouge pas. Que ça bouge pas. On va pas leur trouver. Tu peux. D'accord. Tu veux j'enlève le wedge ? Non, c'est bon. Prépare-toi une wedge, on est pas encore. J'arrive. Ok, vas-y, quand tu veux pour un wedge. Une fois qu'on va un wedge, du coup, Jumper, tu ouvres la porte normalement, d'accord ? Ok. Ok. Tu l'ouvres complet ou je la pique ? Je la pique ou je la... Franchement, Biaio, mets-toi au niveau de la porte, hein, toi, en face de la porte, hein. De toute façon, but du jeu là, vous restez, les deux shields là, vous allez remplacer la porte, d'accord. Et nous, on n'est pas naïfs, on va tirer par-dessus vos épaules, on va balancer de la smoke. Il y aura un moment où on va commencer à discuter et on va commencer à avoir la possibilité, quand on aura fait tomber les têtes qui vont, des personnes qui vont se décaler en face de nous, d'aller prendre la pièce qui est juste en face de nous à gauche, d'accord. Un shield, ce sera très certainement Yayo, tu feras une main courante à gauche, tu iras prendre les toilettes, d'accord. Et après, de fil en aiguille, on avisera. Attends, quand tu dis, pour être sûr à 200%, quand tu dis tu vas prendre les toilettes, c'est je rentre dans les toilettes, hein, c'est pas je me mets devant comme là devant la porte et j'attends. On aura vraiment, le temps dedans. Là pour le moment, là tu fais rien, on reste au niveau de la porte et on fait rien. Après, et après, oui, effectivement, quand je te dis main courante à gauche, bah t'avances main courante à gauche, donc jusqu'à ce que t'arrives dans un truc qui s'appelle les toilettes, quoi. Tu vois que c'est main courante à gauche ou quoi? Oui, ce que je veux dire, c'est que genre je reste devant les toilettes, je rentre pas. C'est ça la question. De rentrer dans les toilettes. Si, il faudra forcément les clear, les toilettes. Tu peux pas rentrer, tu peux pas avancer au coin du mur en n'ayant pas d'informations sur ce qui se passe à gauche dans les toilettes. En fait, oui, non, mais en fait, c'était juste pour savoir si tu faisais un temps de pause avant que je rentre dans les toilettes ou je rentre directement avec un gars derrière. En fait, mais c'est bon, j'ai compris. Ce sera Jumper qui va te suivre dans les toilettes. T'as un taser, Jump ? J'ai un taser. Sur les trucs où vous êtes en short distance, les gars, prenez le taser. Hein, mais de manière, on balancera de la smoke. Voilà. Vous inquiétez pas. Je refoule la porte ou je la pique ? Non, tu peux là tu la pick-push direct. Ok, je la foule. Vas-y, je suis en place. Ok, attends. Laissez-moi réfléchir. Vas-y. Mets-toi à gauche de la porte parce que tu pourras plus jamais repasser, Grumpy, toi. Reste à gauche de la porte, poulet. Une fois que c'est ouvert, c'est pas possible de repasser en fait. D'accord ? Ok, direct, je balance jump. Grumpy, prépare directement une smoke, pas besoin de préparer ton arme, d'accord ? J'en ai plus. Ok, du coup, Grumpy, tu passes à la place de Jumper et Jumper à la place de Grumpy. Prépare directement ta smoke, d'accord ? Grumpy, tu peux pick-push la porte. Moi, j'en envoie une dans les toilettes. Jumper, t'en envoie une assez au fond, d'accord ? Elle lock. Okay. Vas-y, go. Il va la délock. T'es prêt, Yayo ? Yep. 3, okay. 2, 1, top. Pas grave. Ça fait pas à chaque fois en fait. En grand. Doucement, Tisma, on t'a pas demandé de rentrer, tranquille hein. Ouais, t'étais bien. Ok, normal, la smoke part, normal. En face de moi, ça veut rien dire. À quelle distance? Il est parti. Ouais, ce que j'allais dire, j'ai dit 10 mètres, il est reparti sur la droite. Ok, la tranquille. Droite, là. Les toilettes sont déjà. On va les laisser tousser un peu, on essaie de récupérer des mecs qui vont passer, ok? Tranquille, désolé pour la visibilité. C'est exactement comme ça qu'on va faire tout à l'heure, avec une smoke... À mon avis, il y a du monde dans les toilettes, hein? Non? Ah si, ouais, non, autant pour moi. Tranquille.
J'ai l'info du coin du mur, du coup, maintenant. J'ai l'info sur la porte, la deuxième. Tranquille, si ça décale, ça va tirer comme à la rafale, là, vous donnez pas, hein. Genre comme ça. Lui, c'est bon, et il est bon, tranquille, c'est géré. Du coup, à 3 mètres face midi, un mec canon scié, c'est géré, c'est traité. LFPD, don't move! LFPD, hands up! Put your hands up now! Hands in the air! Police, hands up! LFPD, don't move! Get down! Ok, Yayo, est-ce que tu peux essayer tranquillement d'avancer et de pousser la porte avec ton shield, s'il te plaît, la porte des toilettes? J'y vais. Doucement, et après tu recules. On recule. Okay, nickel, bon. stop, fais gaffe, recule. Il sort en coup de sang, Ok, d'accord, je smoke les toilettes, tu smoke au fond, Jumper. Yayo et Grumpy, vous allez rentrer dans les toilettes. Ok, je smoke. La smoke part. Yayo plus Grumpy, main courante à gauche, toilette. 3, 2, 1, top action. Top, debout Yayo, debout quand c'est top. Ouais. Allez, go, tape dedans, voilà, nickel. Ok, y'a un gars. Vas-y, vous le gérez. C'est bon, c'est clear. Toilette clear. Tranquille. T'es un monstre, Yayo. Super. Yayo, en vrai, tu peux. Y'a un mec qui vient de se décaler au fond. À midi, face midi, à 11h. Fais gaffe, t'ouvres pas, Yayo, trop. 11h au mur. 11h au mur. Je dois reload les amis. Il a redécalé à 2h. Pièce de droite. Ok, j'ai balancé une smoke rebond. Jumper, tu peux envoyer une smoke devant moi, non? En face, là, dans la salle en droite là. Ouais, ça va être chaud, mais je peux essayer. Tu peux passer par là. Ok, les contacts. T'es un monstre, Allez, super bien. Elle est bonne du coup. Je vais balancer une smoke au fond au niveau de la table. Je vais balancer une smoke dans le couloir à gauche. Yayo, tu vas prendre l'information sur le couloir à gauche, d'accord? Si tu vois qu'il y a une ouverture et que ça te tire pas dessus, tu pars dans la pièce de droite. Go, prends l'info. Regarde à gauche. Ok, ouais, je regarde. Ok, Grumpy, essaie de. Tisma, passe, on fait main courante à droite, on tape la pièce. Garde-le en joue. Y'a d'abord un mètre. Ok, c'est bon. Je le gère lui, rentre pas, Tisma. Regarde derrière toi le couloir, please. Lui il est géré, c'est bon. Tisma, tu peux rentrer. 3, 2, 1, top. Go. C'est clear ici. Please, continue ton mouvement. Coif l'objectif. Ils sont à couteau. C'est bon. T'as un monstre. La pièce en face, fais gaffe. Jumper, va t'y mettre, Tisma. Va te mettre en face. Jumper, good. Y'a quoi dedans, Tisma là? Okay, on a une porte à gauche, Tisma. On a une porte à gauche. Quand je te dis qu'il y a quoi dedans, ça veut pas dire rentrer dedans. Ok. Bah non. Open. Ok, c'est clear du coup. Clear. Ok, c'est nickel, clair. C'est bon. Vas-y, Grumpy, je prends mon arme. Vas-y, arrête le gars derrière moi là. Parce que j'ai pas envie de sortir. Non, derrière toi, ok, d'accord. Je prends mon arme. Faut avancer du coup, Tisma. Tu peux sortir, main courante à droite. Main courante à droite, nom de Dieu. Dans le prolongement de ta porte. Okay. Non, vas-y, fais coucou. Avance. J'ai bientôt fini, Yayo. Ok, c'est bon. Ok, je suis là, poulet. Ok, je reprends. Tranquille. D'accord, tranquille. On prend l'info, je passe derrière. Je vais balancer une smoke par la ventilation, d'accord? Ça va vous permettre d'avancer jusqu'au contact de la porte avec les deux smokes, avec les deux machins, et vous balancer des smokes à l'intérieur. Il faut au moins 3 smokes, c'est énorme. Le truc. J'ai 2 smokes encore. D'accord? Ok, je vais en balancer une. J'en balance une par la vente. Elle part maintenant. Elle est propre, d'accord? Ça vous permet d'aller en balancer une au fond. Vas-y, d'accord. Je me suis bloqué, faut vas-y, j'avance. Vas-y. Y'a du monde dedans. Elle part au fond. Ok, au j'ai fond, tout envoyé. 3, 2, 1, let's go. On tape. Ok, après. Je rentre, rentre. Oh, on est bloqué. Vous vous gênez, le mec. Vous okay, gênez pas dans les portes. Le streamer est à terre. Gardez-le, attention au couteau. Ok. Je prends mon arme. Mettez-moi du cialume là-dedans, je vois rien. Il est traité, d'accord? Ok, c'est clair. Balancez des cialumes de ouf là-dedans. Ah, c'est ce que je fais. Nickel. Nickel, ok, il avait un shotgun. Allez, on récupère les évidences. Nice, les gars. Timakarov.
récupérer celui-là. 911. Y'a quelqu'un qui arrive à le récupérer sur moi, le Makarov là. Négatif, c'est juste. T'es où mon poulet? Ah, bien vu. Dans la salle de gaming, je sais pas si on peut ou pas. Mais ok. C'est juste, ok, attends, okay. Juste, t'es où là, Jumper? Bon, on est tous. Ah, non, okay. Jumper est à côté, d'accord. Et quelqu'un peut expliquer, s'il vous plaît, à ce membre d'élite de l'équipe SWAT, ce qui nous permet de dire si oui ou non cette arme posée est une vraie arme ou pas. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer ou pas? Ah non, j'avais pas fait, c'est bon. On a rien vu. C'est bon, on peut passer à autre chose. Allez, regardez alors... la cam là. Ah bah faut report Oui bah là on a vrai report de toute façon. Moi je m'en bats les couilles de report là. Fallait juste les gérer l'autre. Là c'était propre en revanche. Y'a le nerf si tu veux toujours. Attends, je vais chercher mon pistolet. Il est où? Tiens, viens voir. Attends, t'es où, C4? Ouais. Viens voir là. Death and Roses. Du coup, y'a quoi? Ah, les mecs qui jouent à des jeux. Ouais, mais ça. Tu vois, c'est ça, c'est là que tu vois que c'est des gens qui sont détraqués. Ils jouent à des jeux de rôle. Donc, déjà. Ah, déjà, non, franchement. C'est une rêve. Tirez pas sur la webcam. Quoi? Ah, regarde, t'as. Comment c'est quoi déjà ce truc là? Attends. Mais y'a quoi là? C'est quoi ça, les amis? Je sais pas ce que c'est ce truc là. Ça, c'est un bang. Ah, merci. Putain la vache, il y en a qui ont des apparts qui ressemblent à ça les amis ou pas? Ok, vous dites rien, c'est que c'est vraiment dégueulasse chez vous. Ah ouais, vous êtes vraiment des porcs. Non, je peux te montrer, c'est propre hein. Attends, viens voir. T'habites chez tes parents en même temps. Bah ouais. Pourquoi il s'est fait supprimer son lien, Ange Noir? Oh le pauvre, qu'est-ce qui s'est passé Ange? Tiens, suis-moi. Attends, c'est pas moi, c'est pas ce qu'il y a de temps. Mets-toi. Où ah ça non, ah merde. Là. C'est un clip de sa chaîne. Ouais. De notre chaîne. Mets-toi en face de la caméra. J'ai pas vu, vous êtes là. Et vas-y, bouge, tu vois que t'as le retour, cam. Et après, tire sur la cam. Regarde, ils sont en train de se faire swat. What is wrong with this guy? Ils se font swat. Lol. Attends! C'est pas les mêmes messages, non? C'est pas les mêmes messages en fonction de ce que tu fais. Non. Tout à l'heure ça disait il se fait swat, et là comme on est en train de faire les cons, il est en train de dire what the fuck, lot, what I'm watching. Ça, non mais c'est énorme. What the fuck, lot. C'est trop drôle. Vas-y go péter la cam. Et vas-y tire sur la cam maintenant, qui est en haut à gauche. Et terminé. Voilà, ça freeze. Et ils disent quelque chose là, vous pensez ou pas? Bad boys. Mais tu connais non d'autres choses. Oh la vache. Non, je veux le même tapis de souris. Merci Gladius pour les 3 mois, t'es un monstre. Merci Ainis que j'avais peut-être oublié pour les 10 mois, mais ça gueule tellement. Enfin, c'est moi qui gueule, hein. C'est moi qui suis horrible sur ce jeu. Ah, y'a mon petit iRobot. Putain, mais en vrai, c'est le même. Hein. Ah. Bon, faut aller. Attendez, vous pensez qu'il y a de la drogue dedans? En référence à Jesse Pinkman. La cigarette, ok bon laissez tomber. Ah oui c'est bon. Ouais. C'est... You got it. Merci Jeeds, merci. Attends, pourquoi Jeeds je le vois pas? A pris un abonnement niveau 3, c'est son troisième abonnement. Mec. Ok bon bah écoute, ça c'est le... Ils sont stylés les pop. Moi je te vois pas. Où ça? Les pop, ouais, sont stylés les figurines. Ça, c'est ah ouais pop. Ça c'est très stylé. Une streamer Twitch, je pense, en haut à gauche. Du coup, les amis, il nous manque quand même des trucs, on est d'accord? Ouais. Au moins, il nous là-dessus. Manque une d'accord. Salle, je crois. Deux salles. What? Ah, d'accord. Il nous manque deux salles. Deux ou une? Mais non, il manque plus de salles. On non, a il tout manque fait. Plus de salles. Je pense qu'il nous manque plutôt des evidences. Il nous manque la mère qu'on n'a pas trouvée. Hein, merci Ciseau Junior pour les 3 mois. Ok, la mère qu'on n'a pas trouvée. Donc il y aurait quoi? Il y aurait un. Un corps? Un dead body? Ouais. Il n'y a pas caché dans un endroit secret ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un congélateur ou une connerie comme ça? Ouais. Non mais sérieusement.
le mec qui joue à des jeux de rôle, donc forcément il a quelqu'un dans son congélateur. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Mais ça, c'est pas en rapport avec à l'époque, c'était considéré comme des gens diaboliques là, ceux qui jouaient à des jeux de rôle. Je sais pas. Bah ouais, tu sais, ouais, c'était les mêmes mecs qui avaient des tables de Ouija et tout, tu sais, qui faisaient des soirées sataniques et tout. C'est ça. Ouais. Parce qu'ils jouaient à ce genre de jeu. Rappelez-vous la map de l'hôtel, là, vous savez, les trucs derrière les murs. C'est quoi ça ? Regardez bien. Qui est-ce qui a parlé là ? Moi, j'ai récupéré un truc ici, là, dans la salle des Bitcoin. Des quoi ? Des Bitcoin, là, il y a des trucs à récupérer. Les Bitcoin ? Les quoi ? Les bitcorn, ah bah il y avait un Uzi là. Non, les bitcorn, ok ouais, d'accord, ouais, 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 le maïs, la bit maïs. C'est les popcorn. Ah, bah j'ai. GG. GG. Ah, Yayo. Mais du coup, on a récupéré sa daronne. Oula. Attends, Yayo, s'il te plaît, c'est en stream, frère. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, likez, commentez, partagez.